Le château de Dampierre fut la propriété de la famille Albert de Luynes, duc de Chevreuse, de 1663 à 2018. Louis XIII, Louis XIV et Louis XV y furent accueillis. C'est Francky Muliez qui a racheté la propriété en 2018. Depuis cette date, le château est en restauration. C'est l'un des plus grands chantiers de France pour un monument historique privé, mais ouvert au public depuis 2019. Pour commencer par la visite des extérieurs. Le château entier est de style classique, construit en grès et briques. Ici, les écuries. C'est en 1778 que des têtes de chevaux et de cervidés dues à Ligier Richier sont incorporées à la façade noble des écuries. Et nous arrivons devant la façade sud du château. Durant notre promenade, nous pouvons voir de belles statues. Dans une salle de l'orangerie, nous aurons la surprise de retourner à l'époque du Jurassique en découvrant un squelette d'apatosaure. Il a été découvert dans la formation Morrison. Son état de conservation est exceptionnel avec 80-85% des os d'origine et le crâne est intact. Il mesure entre 15 et 20 mètres de long sur 5 mètres de haut. Mais revenons près du château. Construit fin 17e par Jules Hardouin Mansart sur les ordres du duc de Chevreuse, il est situé dans un vaste parc dessiné par le nôtre. Le parc a une superficie de 400 hectares. Cette cloche fut retrouvée dans les greniers du château. Elle est présentée à l'occasion des animations de Pâques. Datée de 1789, elle est signée du fondeur Eban le Jeune. Le château a traversé la Révolution française sans encombre, mais en mauvais état, en raison des dégâts causés par l'humidité. Là, une statue de Louis XIII. Depuis le premier étage du château, nous pourrons voir sur un chevalet une vue restituée des jardins du château. Car actuellement, le projet est en chantier. Sous Louis XV, de nombreuses pièces ont été lambrissées. «
le décor du vestibule du grand escalier des Verts est revu en 1840-1841. Le plafond, représentant l'abondance, est peint par Charles Blair. Et les trois grands vases en trompe-l'œil sur les murs sont l'œuvre de François-Édouard Picot. La grande salle d'apparat du premier étage possède deux tribunes soutenues par des cariatides imitant celles découvertes à Rome. Le décor néo-antique a été conçu pour abriter deux grandes peintures commandées à Jean-Auguste Dominique Ingres dès 1839. Les sujets prévus étaient l'âge d'or et l'âge de fer, mais le maître va laisser l'âge d'or inachevé en 1848 sans avoir commencé le second. Une pause déjeuner va nous conduire à la ferme du Bout des Prés. Nous pouvons assister à la cuisson du cochon, à sa découpe et profiter pendant le repas d'une animation avec Laetitia Maléki. C'est une chanteuse de cabaret qui organise des événements privés pour des mariages, anniversaires ou repas d'entreprise. Elle va nous entraîner à chanter et à danser le Madison avant notre départ. Des promenades en calèche ont été proposées dès l'ouverture au public le 30 mars 2019. La calèche va nous permettre de pénétrer dans le parc animalier. Le véhicule hippomobile est tiré par des mules américaines. Et après une matinée grisâtre, nous aurons la chance d'avoir un rayon de soleil éclairant le château. Et sur le chemin, nous pourrons voir les vestiges du château de Bécancourt.